D'accord, CC. Si tu essaies de me suivre discrètement, je dirais que c'est complètement raté. Tu veux qu'on joue avec lui, Burpee? Rien ne l'arrête. Il va falloir le convaincre de nous laisser tranquille et on peut se montrer très convaincant, pas vrai, les filles? Un conseil, CC, la prochaine fois que Black voudra me faire suivre, qu'il envoie quelqu'un d'autre que toi. Non, mais c'est ce qu'il a déjà fait. On a déjà connu pire comme situation, pas vrai, Burpee? Burpee? Burpee, qu'est-ce qui t'arrive? Professeur Black, on a encerclé le fils Shane. On attend votre ordre pour le neutraliser. Votre assurance vous mènera à votre perte. Ce garçon et ses acolytes sont des plus dangereux. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Sa slug est malade. Sa slug est malade. Oui, elle est plus faible qu'une flip-flop. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Laisse-le partir. Quoi? Lance-lui une goule traceuse et laisse-le partir. Mais on le tient, c'est l'occasion d'en finir avec lui. Fais ce que je t'ordonne, sinon c'est avec toi que je vais en finir. Ah, je ne vous promets pas qu'il s'en tirera sans une égratignure. Il faut vite ramener Burpee à la maison. Scrapnel, à toi de jouer. 1, 2, 3. Oh non, pas question. C'est bizarre, cette goule n'a pas fonctionné. On aurait pu y rester. J'espère que ça a marché. Bravo les gars, un super smoothie aux légumes bio pauvres en sodium. Ça vous dirait? C'est ma tournée. Ouais. Sans blague, encore? Bon, je vais chercher l'échelle. Écoute, je sais ce que tu penses, mais ce sont elles qui ont commencé. Ne fais pas ça, Matt Jackson. Je voulais regarder Bon baiser du scarabée, mais elles ont insisté pour regarder Max Jackson frapper un grand coup. Tiens, attrape ça. J'ai peut-être dû élever la voix un tout petit peu, mais... Fort, mais tu te trompes. Ça ne leur donne pas le droit de faire ça, pronto. Ah, te voilà. Burpee ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne l'ai jamais vue dans cet état. Je n'ai jamais vu aucune slug dans cet état. Il peut leur arriver d'avoir une baisse d'énergie, mais... je n'en ai jamais vu une seule tomber malade. La pauvre, elle ne peut même plus bouger. Je vais m'occuper de toi, Burpee. On doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Eh bien, si c'est le cas, ni les trolls, ni les humains, ni même les topoïdes ne connaissent le remède. Encore une dispute pour un film? Disons que... oui... Je ne peux pas la laisser comme ça. Burpee a besoin de nous. Tu sais qu'on est avec toi, Ellie. Mais on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Elles savent. Accroche-toi, Burpee. On sera bientôt arrivés.
où que nous puissions aller. Ça s'assombrit. Et c'est angoissant. Je dois dire que cet endroit me donne la chair de poule. Hein? C'est parce qu'on est entré sur le territoire du clan des ombres. C'est là-bas que Burpee doit aller. Je ne peux pas entrer là. Il doit y avoir une ouverture plus grande. Oui, mais comment la trouver? On va leur demander. C'est leur territoire. Le clan des ombres saura sans doute comment faire. Non, jamais là quand on a besoin d'elle. Comme si on avait besoin d'elle. Elles sont toujours si sérieuses et terrifiantes. On dirait que ça leur plaît de faire peur. Cela dit, Pronto n'a jamais eu peur d'elle. Tout va bien, Cord. Je m'en occupe. Ce sol est sacré. Partez maintenant. J'ai besoin de votre aide. La flamme de celle-ci va bientôt s'éteindre. Une fois éteinte, elle n'existera plus. Je vois maintenant pourquoi vos slugs vous ont amené ici, au puits de lumière. Le puits de lumière? Qu'est-ce que c'est? Le puits de lumière, c'est 50% de légende, 50% de folklore et 50% de mystère. C'est soi-disant l'endroit où les slugs vont se recharger. Je vais y emmener Burpee, si vous me montrez le chemin. Le chemin qui mène au puits de lumière n'est pas pour les humains. Il se pourrait même que tu sois incapable de survivre au voyage. C'est un risque que je veux prendre. D'une façon ou d'une autre, je sauverai mon ami. N'oubliera pas, Elishin, que c'est toi qui l'as demandé. On vient avec toi, Eli. Oh, hey, pourquoi ai-je l'impression que Pronto vient de se faire insulter? Il dit que moi seul peux y aller. Eli, non! Tu ne peux pas y aller seul. Je n'ai pas le choix. Si c'est la seule façon de sauver Burpee, je dois y aller. Et puis, je ne serai pas seule. J'ai mes slugs. Elles me guideront. Oh, bien sûr! Elles ont le droit de le suivre! Professeur Black, le traceur marche à la perfection. Je suppose qu'on va par là. D'accord. Allez, on continue. Facile, un rocher à la fois. Vas-y, Banger, arrête-le. Il est entièrement blindé. Bon, il faut que je trouve une autre idée. Oui, le double barillet pourrait l'arrêter. Le problème, c'est que j'ai besoin de mes deux mains. Je crois que c'est la seule solution. En plein dans le mille. Oh.
Merci, Luffy. Tiens bon, Burpee. On y est presque. J'espère. Ce n'est pas bien d'avoir laissé Ellie partir là-bas tout seul. Non, ce n'est pas bien. Pourquoi le clan des ombres croit-il que seul Ellie est courageux? Pronto le Magnifique est courageux. Très courageux. Attends, ce n'est pas ce que je... Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a un léger malentendu. Sans doute parce que vous ignorez à quel point l'extraordinaire Pronto est extraordinaire. Oh, je comprends que... C'est pas moi. Je comprends. Ça va mal tourner. Oui, eh bien, espérons que si Pronto l'ennuie trop, elle se retournera seulement contre lui. Non, ce n'est pas ça. T'as vu ça? C'est quoi cette puanteur? Oh, ça sent plus mauvais que... des slugs Proutosaurus. C'est collant. C'est dégoûtant. Ce tunnel sent comme l'intérieur d'un... Ce n'est pas un tunnel. Une petite minute. S'il nous a recraché par la bouche, ça veut dire qu'on a rampé dans son... Quelle horreur! Pas question que je retourne à l'intérieur. Dis-leur. Dès qu'on aura soigné Burpee, la première chose qu'on fera sera de prendre une bonne douche. Ellie nous a dit que vous manquiez de discrétion, CC. Mais franchement, c'est encore pire que ce que je pensais. Inutile de grogner. Vous pourrez toujours le faire quand le clan des ombres vous sera tombé dessus. Je suis en position. Lancez l'attaque maintenant. À l'assaut! Attrapons-les! T'attaques le clan des ombres? Si ce n'est quand même pas aussi stupide! Chut, garde tes commentaires. Je ne voudrais surtout pas rater ça. Le clan des ombres va en fête! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas ma petite lumière noire? N'ayez crainte, Pronto le Valeureux est là pour vous sauver! Il fait chaud par ici. Et... ça sent bon? Encore toi? Allez, va-t'en! Oh, mince! Cette bestiole a du mordant. Heureusement qu'il n'y en a qu'une. Hein? On est sains! On est dans leur ruche! Dozer? J'espère que vous avez raison. Vas-y, endors-les! Génial! Oh, le puits de lumière. Il est... On a réussi, Burpee. En effet, nous avons réussi. Merci. À toi. Black! Qu'est-ce que vous lui voulez à ce puits de lumière? Ce que je veux, c'est le détruire.
Comment est-il arrivé là? Je vais te répondre. Premièrement, la goule traceuse que CC t'a lancée m'a beaucoup aidé. Le traître! Mais c'est à toi que revient tout le mérite. Je n'aurais jamais pu arriver jusqu'ici si tu n'avais pas écarté les obstacles en chemin. Tu m'as semblé très motivé. Burpee? Burpee, non! Tu n'y arriveras jamais. Je crois que vous vous êtes trompé. J'ai réussi. Félicitations. On ne tiendra pas longtemps. On aurait peut-être une chance si le clan des ombres s'alliait à nous. À leurs yeux, on ne vaut pas grand-chose. Elles nous ignorent complètement. Ah! Je crois que ça veut dire qu'elles sont avec nous. Sans le puits de lumière, l'énergie slug ne peut pas se régénérer. Et sans tes slugs, mes ghouls régneront. Au revoir, puits de lumière. Moi non plus. Moi non plus. Ah, oh, génial, ils n'ont plus de munitions. Attrapez-les et donnez-leur une bonne leçon. Oh non, vous nous avez eu. Oh, attendez. Non, raté. C'est un piège. Tous dans la lumière noire. Oh non! 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 Ça vous apprendra à ne plus vous frotter à Pronto! On a réussi! Oui. On n'a pas réussi? Ils veulent nous faire comprendre que quelqu'un d'autre est entré dans le puits de lumière! Une dernière goule, et ce sera fini. Ah. Tu sais, je voulais que tu vois la destruction du puits de lumière. Mais toi, toi, tu m'as fait changer d'avis. Quoi? Les ghouls! Burpee! Quoi? Non! Que s'est-il passé? Où l'avez-vous si emmené? Près du puits de lumière, nos pouvoirs sont limités. On l'a seulement envoyé rejoindre les ombres, ailleurs. Je crains que ces abominations que tu appelles ghouls ne soient responsables de la maladie de cette slug inferna. Les ghouls de Black l'ont rendu malade? L'énergie qui rattache les slugs à Slug Terra décline de jour en jour. Si la production de ghouls ne s'arrête pas, les Darkban arriveront. Comptez sur nous pour arrêter le professeur Black. Merci pour votre aide. L'heure n'est pas au remerciement. Le combat pour sauver Slug Terra ne fait que commencer. Oh, elles viennent de s'incliner devant vous. Ellie, ça va, Burpee? Comme tu peux le voir.
Oui. Oui. J'ignore ce que vous avez fait, mais vous avez drôlement impressionné le clan des ombres. Ah, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est normal d'être impressionné quand on rencontre Pronto, le magnifique. Ravi que ce soit fini. Ce n'est pas fini. D'autres slugs vont tomber malades comme Burpee si on n'arrête pas Black. Ce n'est que le début.